On s'en fout de la dragonne, on la met jamais cette connerie. Alors, ok, faut passer le Joy-Con sur une surface plane. Ouh, je sens que le motion gaming, ça va être relou, surtout pour toi et oui. Ça va être relou. Ah ouais, ah ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est Kizé et bienvenue pour ce premier épisode du Let's Play de The World Ends With You Final Remix. Donc la version définitive Ultimate Edition de The World Ends With You, un jeu qui était sorti en 2017, il revient 11 ans après sur Switch, dans une version portage, remake, enfin même pas remake, non mais portage plutôt. Bon, visiblement c'est pas la joie, surtout quand je vois que... Ouais. La seule manière pour le filmer en let's play, c'est de jouer avec les Joy-Con détachés. Ça va être un petit peu la merde. Le pire, c'est que je pensais que ça se jouait à deux Joy-Con détachés, mais en fait, ça ne se joue qu'à un seul Joy-Con détaché. Ça va promettre du sport, c'est moi qui vous le dis. Alors, The World Ends With You, bah, c'est un RPG, action RPG plutôt même. De Square Enix, donc voilà, que vous voyez en bas, designé par Tetsuya Nomura, le papa de Cash, évidemment. C'est sorti sur DS, c'est ressorti sur iOS, iPhone, donc Android, et sur Switch. C'est un jeu qui va se baser surtout sur le quartier de Shibuya au Japon, et il arrive pour la première fois en français chez nous. Alors, à voir vraiment comment ça évoluera pendant le jeu, mais... C'est vrai que je vous recommande soit les versions mobiles. Bon, l'idéal reste évidemment la version DS. Au niveau du gameplay, c'est vraiment la meilleure, je trouve. C'est vraiment ce qui fait tout le charme de la série, c'est la version DS. La version mobile est pas trop mal. Mais c'est clairement, je dirais, la meilleure version, c'est la DS. Je vous en dis pas plus sur le jeu. Je pense que le jeu partira, parlera de lui-même. On va essayer de faire des épisodes alors, plus ou moins longs. Ça dépendra de comment je m'en sors, surtout avec ce gameplay-là. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on fera, vu que le jeu est divisé en jours en fait, on fera un chapitre, enfin, les chapitres pardon sont divisés par jour, donc on fera un jour par épisode. Ça va avoir une progression plus ou moins cohérente et assez sympathique du soft. Du coup, on va y aller. Alors, les commandes Joy-Con, vous pouvez jouer à The World Ends With You Final Remix par Nintendo Switch de deux façons différentes. Alors, commande tactile sur mode portable, oui, mais le problème c'est que je ne peux pas filmer. Et commande Joy-Con, donc en mode TV. Pour l'instant, je ne peux faire que ça, malheureusement. Pas trop le choix. Alors, la commande Joy-Con vous permet de déplacer le curseur à l'écran d'action de Joy-Con pour un style de jeu dynamique à une main. C'est ça qui me fait un peu peur, mais bon, en même temps, pas trop le choix. Alors, on peut réinitialiser en appuyant sur Y, c'est bon à savoir. Surtout que je sens que ça va se barrer dans tous les sens, ça va être le merdier. Voilà, ça commence déjà, j'ai envie de dire. Ça commence, ça va promettre, ça va promettre, c'est moi qui vous le dis. Ouais, commande tactile, j'aurais bien aimé, mais bon, tu peux pas filmer la Switch comme ça, donc pas trop le choix. Bon, bah écoutez, c'est parti, hein, ma foi, new game. Et ce qui est bien, voilà, c'est que comme c'est vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment traduit en français, pour une fois. Out of my face. You're blocking my view. Mais je vais laisser l'intro se faire. Shut up. Stop talking. Just go the hell away. All the world needs is me. I got my values. So you can keep yours, all right? I don't get people. Never have, never will. Thank you.
Et voilà. Bienvenue dans The World Ends With You. On est un petit peu lâché comme ça. Alors je vous préviens tout de suite, il y aura beaucoup de textes. The World Ends With You, c'est un jeu où ça parle quand même beaucoup. Ça va beaucoup parler. Par contre, j'ai juste baissé un chouïa la musique parce que j'ai peur qu'on ne m'entende pas. La musique est très bien, hein, honnêtement, elle est excellente. Même, je dirais, la bande-son de The World Ends With You est juste géniale. Je la baisse juste un peu pour peur qu'on m'entende pas, quand même. Et comme je t'ai dit, ça se passe à Shibuya, donc au Japon. Mais le jeu va se développer tout seul. Je laisse le soin au jeu de développer son univers de lui-même. Hein? Mais j'entends des voix dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'où sort ce badge? Je me demande s'il y avait un rapport. Touchez le badge dans le coin inférieur droit de l'écran pour essayer ses capacités de scan. Vous pouvez terminer le scan et revenir à l'écran normal du terrain en touchant à nouveau le badge. Ok. Alors pour l'instant on peut pas se déplacer, ce qui est normal, donc. Hop. Donc là on est en mode scan. Alors. Hop, on va cliquer là sur beau gosse. Les Jupiter Monkeys sont trop canons. J'ai retourné au magasin pour voir les beaux gosses qui font du shopping là-bas. Compagnon idéal. Si je marie, ce sera avec Kat. Ce style intransigeant, des idées brillantes, espérons juste que c'est un homme. Hop, je reclique sur le badge. Des voix. J'ai bien entendu des voix. Mais pourquoi? Ce sont les pensées des gens que j'entends. C'est quoi ce badge? Hein? Il y a un téléphone qui sonne. C'est le mien? Bon, comparé à la version DS, au niveau des graphismes, ça a vraiment été lissé et lifté. Hein, parce que sur DS, c'était joli, mais bon. C'est un petit peu. Ça, maintenant, tu y joues, c'est quand même vachement pixelisé. Au moins sur les versions iOS et Android et sur la version Switch, ils ont quand même peaufiné les graphismes. C'est quand même plus sympathique. Atteignez le 104, donc c'est une référence au 107, je crois, dans la vraie vie, qui est un magasin à Shibuya. Le 107, le 104, évidemment, pour des droits, je pense, question de droits, ils n'ont pas pu mettre le vrai nom, mais sauf erreur, c'est le 107 ou le 106, un truc comme ça. Au Japon, à Shibuya, il y a un vrai magasin qui porte ce numéro-là, comme nom en fait. Vous avez donc atteignez le 104, vous avez 60 minutes. Si vous échouez, vous serez effacé, signé les Reapers ou les Faucheurs. Mais bien sûr, bye double spam, hop, supprimé. Hein? Il est toujours là. C'est quoi ce spam de l'enfer? Ah! Ma main! Ça pique qu'ils sont OST, ça, elles sont vraiment géniales les OST. Grenouille? Aïe! Mais elles m'ont attaqué! Qu'est-ce qu'elles me veulent? Couchez la grenouille! Alors, utilisez le Joy-Con et le curseur sur l'écran pour vous dépasser, attaquer et bien plus pendant le combat. Pour l'instant, vous êtes sans défense, vous allez devoir vous sauver. Faites bouger le curseur tout en maintenant la touche de déplacement RB pour éviter les attaques ennemies. Si vous maintenez la touche de déplacement enfoncée, le garçon se déplacera vers l'emplacement du curseur. Ok, donc là on va s'entraîner pour le déplacement. Touchez le bouton pause pour mettre le combat en pause. Faut que je file depuis le menu qui apparaît et vous pourrez fuir le combat. D'accord. Ça promet. Ok, donc il faut maintenir le bouton. Ok, bon, c'est un peu particulier à prendre en main, je vous cache pas. Donc si je place le curseur loin. Le jeune garçon en fait un dash. Si je le place tout près, il se rend à cet endroit. Donc on peut appuyer soit sur R, soit sur B. Ok, bon, c'est bon à savoir. Ça a l'air quand même sacrément chaud le gameplay. Hein. Ok. Alors hop, menu pause. Faut que je file.
sont encore tenus et sprintent. Celle qui s'est rapidement Neku pour sprinter. Au tout début de son sprint, Neku est invincible, ce qui lui permet de passer au travers des attaques ennemies. Donc il va dans les combats, pour faire un combat, appuyez sur le bouton pause, blablabla, on sait ça tout ça, merci. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Au secours, à l'aide! Arrêtez de faire comme si je n'étais pas là. Où est-ce que je suis? Mince! Il faut que je me tire d'ici. Ça, c'était la vraie intro du jeu. J'espère quand même que ça va vous plaire. Et c'est reparti. Fais pas t'as peu heureux, ça fait une paye qu'on n'a pas bossé. Exactement. C'est comme un lundi en rentrant de vacances. Tu préférais des vacances permanentes? C'est le premier jour qu'il y a le plus de joueurs. C'est le moment de marquer des points. Comment tu comptes compenser le dernier sinon? Ok, ok, une semaine ça n'a pas me tuer, j'espère. Eh, tant qu'on y est, on fait un petit pari? Un pari? Histoire de pas avoir l'impression de bosser. Je sais que t'adores ça. Ah ouais, trop mon style. Bon d'accord, c'est quoi le pari? Disons Reaper Sport 3, chasse aux joueurs. Voyons qui chopera le plus de joueurs pendant la mission du jour. Tu plaisantes, c'est pas drôle du tout. Ça ne te plaît pas? Mais je vais t'écraser, tu as perdu d'avance. Oh, ouch. Alors là, je demande à voir. Sinon, comme d'hab, le perdant paie un bol de ramen au gagnant. Je crois que je suis en sécurité. Grenouille de malheur, laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait. Ils ont disparu? Qu'est-ce qui arrive aux gens? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je fais là? J'en peux plus! Elles vont m'avoir. Enfin! Hein? Toi, passe un pacte avec moi. C'est pas trop le moment. Écoute, si on passe un pacte, on pourra battre les échos. Donc en anglais, le nom c'était noise. Hein. Donc le bruit en fait. Des échos? T'as des acouphènes? Tu veux te faire effacer? Dépêche, on n'a pas le temps. Passe un pacte avec moi, allez! Bon, ok. J'accepte. C'était quoi ces lumières? Tiens. Utilise ce badge. Mais ces lumières bizarres, je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, on doit arrêter les échos. Les échos. Ok. Prépare-toi. Alors, pour combattre, vous devez utiliser des badges. Si c'est des commandes, en utilisant le curseur et ZR pour associer un psyche unique à chaque badge. C'est maintenant, faites glisser le curseur sur une partie vide de l'écran, maintenant la touche ça crée un chemin de flamme qui blesse les ennemis. Ok, il va falloir que je voie comment faire tout ça. Ah ok. Hop. Donc là vous voyez que mon badge en haut
se régène. Donc en appuyant sur Z et A, tac. En laissant appuyer sur ZR, le badge s'active. Et donc là, en fait, en traçant avec mon poignet, en fait, je fais un tracé de flamme. Ok, oh putain, ça va être galère. Je le sens, ça va être galère. Les combats vont être chiants. Je pense que ça va être chaud. Heureusement que le début ça va. Heureusement qu'au début ça va, c'est pas trop chaud. Donc obtenu pyrokinésie. Et voilà, donc Neku va se battre en fait avec des badges qui auront évidemment, il y aura d'autres styles de badges hein, avec d'autres pouvoirs, d'autres attaques défensives, offensives, magiques, etc. Enfin, toute une variété de badges, c'est assez sympa comme gameplay franchement. On va y aller un espace vide pour créer un chemin de flamme et infliger des dégâts au contact. Donc le contrôle du combat, blablabla, tout ça, on connaît. Ce feu. C'est moi qui ai fait ça? C'est alors, tu arrives à utiliser le badge. Tu dois être fort, très fort, Ansaik. On dirait que j'ai trouvé le bon partenaire. Les Psyk, c'est ces flammes? Ouais. Et puisqu'on a passé un pacte, les échos, nous ne nous inquiéterons plus. On est tranquille en somme. Oui, tu vois, RS, donc rien à signaler. RS, ces échos, c'est quoi? Cette question, c'est les monstres qu'on a affrontés. Des monstres? Mais bien sûr. Et les Psyk? C'est à ça que sert ce badge? En fait, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Shiki Mizaki. Mais tu m'appelles Shiki. J'appelle ça du grand n'importe quoi, surtout. On a une longue semaine qui nous attend. Une semaine? Pourquoi une semaine? Le jeu des Reapers dure 7 jours, non? Les Reapers? C'est quoi ça encore? C'est qui cette folle? Et toi, comment tu t'appelles? C'est pas elle l'important. Où suis-je? Et comment suis-je arrivé ici? Allez, comment tu t'appelles? C'est marqué Shibuya Station. Qu'est-ce que je fais à Shibuya? Quelque chose ne va pas? Une seconde, le carrefour. Je dois juste revenir sur mes pas. Et voilà, ignoré totalement. Pauvre Shiki. Eh, mais attends-moi! Avec la maniabilité Joy-Con, utilisez le stick gauche pour déplacer votre personnage dans l'environnement. Ouais, stick gauche ou stick droit hein, plutôt, parce que moi je peux pas vraiment faire du stick gauche. Sauf si je joue avec la manette gauche, mais bon, c'est un peu la merde. Donc ça c'est le message des Reapers. Hein. Donc l'interface, comment ça se présente? Ça sera le menu. Bon, pour l'instant il n'y a pas accès au menu, mais ça sera le menu du téléphone. Ici donc pour... scanner et voir les pensées des gens. Alors, en soi, je vous le dis tout de suite, bon, comme ça on va pas gâcher la surprise, ça servira pas vraiment à grand chose de scanner les pensées des gens. Oui, il y aura des chapitres où il faudra le faire, évidemment, hein, ça c'est clair et net, c'est pas une fonction qui a été mise pour rien, mais le scan en fait permettra surtout de scanner les échos et de les trouver. Mais bon, ça le jeu, je pense, l'expliquera par lui-même comment ça marche. Par contre, niveau ST, franchement, Ayez l'oreille attentive parce que c'est franchement une très très bonne OST. Donc regardez, là, on est retourné au carrefour de Shibuya. Juste à côté, c'était la statue de Hachiko. Donc, une statue très connue aussi au Japon, hein, avec l'histoire de Hachiko, le chien qui a attendu son maître pendant très longtemps, jusqu'à sa mort. Et donc là, on est au croisement de Shibuya, croisement très célèbre au Japon. Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu me donnes tant de mal à te suivre? Lâche-moi, je vais où je veux. Et où tu veux aller? On est piégé ici. Hein? Ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui ne comprends pas. On a passé un pacte, il faut qu'on reste ensemble. Tu ne peux pas battre les échos tout seul. Tu ne peux pas survivre. Survivre à quoi? Au jeu? Tu ne veux pas gagner? Joue à ce que tu veux si ça t'amuse. Hé, c'est pas drôle. On va se réfacer si on ne gagne pas. Tu as vu ce qui est arrivé aux autres? Tu veux les rejoindre? Et puis on est partenaires. On est partenaire, on s'entraîne. Hey, va pas m'impliquer dans tes combines. Tu es déjà impliqué. Tu es un joueur, tout comme moi. Un quoi? Je ne joue à rien. Ah bon? Alors pourquoi tu as un badge de joueur? Donc le badge avec le crâne. Hein. Tu n'as pas un chrono sur la main, comme le mien? Si. J'hallucine. Tu vois, toi tu as rejoint le jeu des Reapers. On n'a pas le temps. L'heure tourne, plus de 20 minutes. Il faut vite qu'on aille au 104.
104 ? C'est quoi ça ? Le 104 ? 104 ? J'ai reçu l'email, non ? Atteignez le 104, vous serez effacé. Ce spam. Sérieux, il faudrait être taré pour prendre cette sornette. En même temps, ça a été une journée très étrange. Et vu qu'il a l'air décidé à me suivre, autant jouer le jeu et voir où ça nous mène. Bon, d'accord, je te suis. Cool, et pour la dernière fois, c'est quoi ton nom ? Neku. Neku Sakuraba. Neku ? Trop mignon. La ferme. Allez, Neku, direction de 104. Yep, Shiki, c'est parti. Le 104, c'est là-bas. Mais c'est bloqué. Ah, c'est bloqué. Pas bien d'avancer. On va pas passer ? Mais le 104, c'est par là. Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'épie ? Ce type là-bas, qu'est-ce qu'il regarde ? Pacte confirmé. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce mur ? Eh, Neku, c'est ouvert. Comment ça se fait ? Aucune idée, un coup de bol, je dirais. Viens, il faut qu'on continue. Ce mec en rouge me semble suspect. Hein ? Où il est passé ? Bizarre. Bon, normalement, il aurait fallu lire les pensées du gars en rouge, mais bon, tant pis. On y est. Le chrono a disparu. Ouf, mission accomplie. La belle affaire. Quoi ? Il faudrait être idiot pour se planter le premier jour. Qui est là ? Oh non, une Reaper ? Reaper ? Tôt ou tard, vous finirez effacés tous les deux. Du coup, autant m'aider à gagner quelques points, pas vrai ? Encore ces monstres. Neku, tu as appris comment te battre ? Cette fois, focalise tes pensées sur moi. Quoi ? Hé, chacun pour sa peau. Je t'en prie, pour arrêter les échos. D'accord. Allez. Mais bon, parler je pense du gameplay de Chiki, ouais. Donc si vous avez un partenaire, un badge spécial s'affiche à l'écran. Touchez un ennemi afin d'invoquer Chiki pour une frappe. Touchez-le de nouveau pour former un combo. Ok. Là, en appuyant en fait sur le bouton, ça déclenche l'attaque de Shiki, hein, simplement. Bien, on va pouvoir se battre ensemble. Ensemble, on peut battre les échos plus vite. Allons-y. Votre partenaire va continuer de se battre jusqu'à ce que la jauge du badge partenaire soit vide. Comme avec les autres badges, vous devrez attendre une réactivation avant que votre partenaire puisse continuer. Eh oui, en gros les partenaires se battent, mais c'est pas illimité quoi. Ça prendra du temps. Donc là, en attendant que mon badge se recharge, Shiki va taper la grenouille. Bon, je sais pas pourquoi mon badge n'a pas fonctionné sur ce coup-là, mais bon, tant pis. Putain, l'important c'est qu'on l'ait battu. C'est fini ? Pas encore Neku, là-bas ! Ouh, allez, c'est un plus gros. Il a l'air costaud celui-là. Comme si j'avais le choix. Hé, boulet ! Je ne suis pas un boulet. Oui, bon, en tout cas, ne te plante pas. D'accord. En alternant des coups sur le même ennemi entre Neku et son partenaire, vous effectuerez un combo croisé. Les combos croisés apportent un bonus à votre taux de synchro. Bon, ça sera expliqué plus tard, le taux de synchro et son utilité. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que pour l'instant on se casse. Et c'est parti. Allez Shiki, viens. Là j'ai besoin de toi. Voilà. Bon, ça aurait pu être mieux au niveau de la synchronisation, mais c'est pas trop grave.
Hop, et 500 yens, parce qu'on va devoir payer des choses, évidemment. Hein. Il faut de la monnaie. On est là au Japon, à Shibuya, donc des yens. Et une écarlatite, donc un badge incrusté d'une gemme rouge. Dans certaines quêtes de boutique, vous pouvez l'échanger contre un objet essentiel au développement du personnage. Et ça va être intéressant. Ça, il faut le garder, effectivement. Phew. On a réussi. Mais tu l'as entendu, le premier jour, c'est rien. Et si ça se corse de plus en plus? On a encore 6 jours. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va tenir, pardon? Je ne veux pas me faire effacer. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Et si je me fais effacer? C'est quoi ce jeu à la fin? C'est pas possible. Ah! Je suis vraiment coincé ici, à Shibuya? Chapter Close, Reaper's Game. Ça, c'est le premier chapitre. The second day. Et voilà, donc du coup, on a donc une semaine à survivre au jeu. Donc là, on commence le deuxième jour. Tout simplement. Ah. Donc je m'arrêterai juste après le dialogue. Où est-ce que je suis encore? J'espère que ça va aller. Hé hey. Ah, me fais pas peur comme ça. Grandis un peu, tu es insupportable. Un problème? On est où là? Dans le tunnel près de la gare, non? J'entends les trains. C'est bizarre. Comment on est arrivé là? Voilà la mission. Levez le sort de la sculpture. Vous avez 60 minutes. Si vous échouez, vous serez effacé. Signé les Reapers. Ah! Le chrono a pris. C'est pourquoi? La mission. Tu n'es vraiment pas au courant? Si on n'accomplit pas la mission dans les temps, on se fera effacer tous les deux. Ça paraît complètement délirant. Mais peut-être pas tant que ça. J'ai vu ce qui arrivait à ces gens près de la gare. Et j'ai rencontré un Reaper. Tout ça a beau être complètement insensé, je sais ce que j'ai entendu. Une seconde. Pourquoi la date t'a pas changé sur mon téléphone? Parce qu'une journée allait s'écouler. Quoi? Je crois qu'après la mission, on s'est endormi. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est aujourd'hui. Tu as perdu la tête? Bien sûr que si, c'est grave. On était au milieu de la rue. En plein jour. Pourquoi on se serait endormi? Bon, ce sort sur la sculpture. Ça doit être la statue d'Achiko. Peut-être qu'on s'est évanoui. Et puis on s'est réveillé ici. Je me rappelle de rien du tout entre les deux. Mais pourquoi cette histoire de sort? Neku? Est-ce qu'on nous a traînés ici ou bien... Neku, fais un peu attention. Hé, hey, tu m'ignores maintenant? Si on ne coopère pas, on n'a aucune chance. Pas la peine de te comporter comme ça. Qu'est-ce que je fais de travers? Bon, bref, inutile de rester planté là. Allons trouver Achiko. Et voilà. Alors, du coup, comme je disais, donc le jeu va se diviser en plusieurs chapitres. Donc chaque jour sera un chapitre. Et chaque jour, on aura donc une mission différente des Reapers. Donc là, on a une semaine pour survivre aux différentes missions des Reapers. Et pour gagner le jeu, tout simplement. Sans quoi, on est effacé. Du coup, vous voyez que Neku, c'est un peu le gars solitaire, très enfermé sur lui-même. Je dirais presque un peu narcissique, mais vous allez voir que son personnage va beaucoup évoluer au fil du jeu. Shiki, c'est une fille qui est très gentille, peut-être trop même. Mais elle aussi, vous allez voir que son développement va beaucoup évoluer. Franchement, là, ces 30 premières minutes, ça peut sembler un peu brouillon. Mais vous allez voir que plus on va avancer dans le jeu, et plus ça va être intéressant. Et que ça va vraiment plus se développer au niveau des personnages, de leurs relations. Comme je vous dis toujours, les OST, faites-y attention parce qu'elles sont vraiment bien, surtout plus que c'est des remixes. Donc au niveau OST, musicalement parlant, The Warden's With You, c'est vraiment une bombe de ce côté-là. Donc franchement, au niveau musique, faites gaffe. Enfin, faites gaffe, dans le sens, ayez l'ouïe fine, comme on dit. Et j'espère surtout que ces musiques vous captiveront et vous transporteront. Pour l'instant, on n'en a pas vu tant que ça, je veux dire. Vous allez voir que plus on va avancer, plus elles vont devenir intéressantes, épiques, tristes, émotionnelles,
et autres. Bref, j'espère ce premier épisode de The World Ends With You pour vous mettre tout simplement dans le bain, bah, vous a plu. Hein. Quant à moi, je vous dis à la prochaine du coup pour le reste du jeu. Ah, pour le reste du jeu, oui, j'espère bien. Mais pour le reste des épisodes, pardon. Sur ce, prenez soin de vous tout le monde et à la prochaine. Ciao, bye bye.